À partir de 1991, une crise économique a entraîné des pillages généralisés dans toute la République démocratique du Congo. En 1993, Kyungu Kumwanza, le gouverneur de la puissante province du Tchaba, aujourd'hui connue sous le nom de Katanga, s'est joint à ceux qui accusaient les habitants de la province qui avaient émigré du Kasaï, vivant dans la province, d'être responsables de la crise économique. Les Kasaïens, dont beaucoup vivaient dans le sud depuis des générations, ont été déplacés vers le centre du Congo. Et les Katangais ont besoin d'occuper leur espace. Ils ont besoin de rester maîtres chez eux. Les Kasaïens ont été envoyés de force dans des centres de traitement. Willy Sabwe Binene, membre de l'église de Kolwezi, fait partie de ceux qui ont dû quitter le Tchaba avec sa famille et des dizaines de milliers d'autres Kasaïens. La jeune vie de Willy avait déjà été remplie d'une série de déceptions. Ce qui n'a pas pu savoir que plus tard, c'est que la main du Seigneur était en train de transformer ce dernier désastre personnel en une bénédiction pour sa famille et pour des milliers de futurs saints des derniers jours. Écoutons R. de Binene aujourd'hui, 70 d'Interrégion, raconter sa propre histoire, comment il s'est retrouvé avec la foule de réfugiés fuyant leur maison depuis sept gares et les merveilleux événements qui ont suivi l'épreuve de leur foi. En juillet 1987, mon père et trois convertis ont parcouru 300 km de Kolwezi à Lubumbashi, aller-retour, pour être enseignés et baptisés. Ces quatre personnes ainsi que d'autres sont revenues l'année suivante pour que leur famille puisse être baptisée. Ma mère et ma sœur, la seule autre des 10 enfants qui étaient encore à la maison, ont été baptisés par mon père. Au début, c'était difficile pour moi. Les autres jeunes se moquaient de nous. Je ne comprenais pas bien le livre des Mormons. Il semblait y avoir beaucoup d'histoires de guerre. Plus tard, je vis qu'il y avait des choses qui complétaient ma compréhension de la Bible. Par exemple, plus d'informations sur l'histoire de Joseph, fils de Jacob. J'ai commencé à aimer les livres des Mormons. En 1990, les missionnaires à plein temps ont commencé à venir à Kolwezi tous les week-ends. J'ai été enseigné et baptisé dans un lac voisin avec une vingtaine d'autres personnes. Nous nous y rendions dans la petite voiture des missionnaires. Ils amenaient quelques-uns d'entre nous au lac, nous baptisaient, puis les ramenaient et revenaient avec le groupe suivant. Lorsque j'ai vu les vêtements blancs pour la première fois, j'ai dit « Waouh ! Enfin, j'ai été baptisé !» Ce jour a été une grande joie pour moi et pour mes parents. L'année suivante, je suis allé à Lubumbashi pour étudier l'ingénierie. Lorsque je suis rentré chez moi à la fin de l'année scolaire, Kapinga Mwangala, le président de ma branche, m'a invité, ainsi que trois autres personnes, à participer à des missions à plein temps. Nous en avions un peu plus sur les missions, car deux missionnaires congolais, dont Elder Mutombo, Elder Diamani, avait servi à Kolwezi pendant un certain temps, jusqu'à ce que des pillages importants rendent l'endroit trop dangereux. L'idée de partir à mission était difficile pour moi. Il ne me restait que 2 ans pour terminer mon diplôme d'ingénieur. Pourquoi ne pas attendre jusque-là? J'ai donc dit au président Mwangala, « Non, mon frère et moi allons d'abord terminer nos études. Mes parents et mes amis ont essayé de me convaincre. » Je leur ai aussi dit non.
mais il s'est passé quelque chose. Un jour, je suis allé voir mon oncle, Simon Mokadi. Quand je suis arrivé chez lui, il n'y avait personne. Alors j'ai ouvert la porte et je suis entré au salon. De loin, je vis un livre avec une belle couverture rouge et blanche. Et la couverture m'a attiré et je l'ai pris. Le titre était « Le miracle du pardon ». Ah ! Il y a donc des miracles dans ce livre ? Cela m'a intéressé. Je me suis assis sur le canapé avec ce livre. Puis il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Donc le livre s'ouvrit de lui-même, pop, comme s'il y avait un signet invisible. Sur la page, j'ai vu le titre « Idolâtrie ». Après avoir lu le premier paragraphe, j'ai eu soif de tout, de terminer tous les chapitres. Après avoir expliqué l'histoire de l'adoration des idoles des Israélites, le président Kimball a dit qu'à notre époque, le diable est très intelligent et a changé la forme des idoles. Quelqu'un peut adorer sa maison, sa voiture, c'est de l'idolâtrie. Il y a des jeunes qui refusent de faire des missions en plein temps parce qu'ils préfèrent décrocher leur diplôme. C'est de l'idolâtrie. Et cela m'a frappé comme un coup de tonnerre. Si tu ne fais pas des missions et que tu essaies d'obtenir ton diplôme à la place, c'est de l'idolâtrie. Ainsi, à la grande joie de ma famille et de mes amis, j'ai rempli mon dossier de candidature. J'ai attendu d'avoir un entretien avec le président des missions, Omer Le Baron, qui devait venir à Colosie en avril. Mais peu après, des milices populaires ont surgi, ont commencé à attaquer les maisons des Kassaïens. Nous avons vu des maisons en flammes. Ils venaient avec des machettes pour couper, des bâtons pour battre. Et si vous aviez de la chance, ils vous obligeaient à quitter votre maison. Si vous n'avez pas de la chance, dès que vous sortiez, ils vous blessaient ou vous coupaient des bras, tout ça. Notre famille s'est réfugiée à la gare. Comme tout le monde, nous avons dormi en dehors ou dans des tentes fournies par la Croix-Rouge. L'Église nous a aidés en nous donnant de la nourriture, un peu d'argent. Un jour après avoir quitté la gare pour faire quelques activités en ville, j'étais avec mon père. Nous avons vu des gens courir, un groupe de Kassaïens en criant « Attrapez-les, attrapez-les !» Je les ai vus attraper et battre un de mes camarades de classe. Je commençais à trembler, craignant qu'après qu'ils en aient fini avec lui, ça serait mon tour. Papa m'a dit, reste calme, ne regarde pas. Et à ce moment-là, il s'est mis à prier. Je l'ai entendu dire, oh Dieu, je vais mourir ici avec mon fils. Peux-tu nous protéger? Ensuite, il m'a tenu la main et m'a dit, non, Dieu va nous protéger. Allons-y vite, allons-y vite. Alors que nous parcourions les 5-6 kilomètres qui nous séparaient de la gare, des amis de papa qui n'étaient pas des Kassaïens sont soudain apparus et nous ont protégés en marchant avec nous. Les trains ne partaient que quelques fois par mois. Tout le monde essayait de s'y entasser. Dans la précipitation et la confusion, certaines familles étaient séparées volontairement ou par accident. Après 3 semaines d'attente, ma mère et mes 4 sœurs ont pu partir. J'ai eu le cœur lourd en les voyant partir. Quelques semaines plus tard, mon père, frère Boukassa Sewil, et moi avons pu réparer un wagon de marchandises en panne et l'atteler à un train qui passait. Au cours de notre voyage, certains sont tombés malades ou sont morts de dysenterie, de choléra, de paludisme.
D'autres ont perdu la vue en tombant du train ou été électrocutés par des lignes électriques. Nous sommes arrivés à Laputa plus d'un mois plus tard avec une cinquantaine d'autres membres de l'église. C'était une communauté rurale agricole. Comment allions-nous survivre? Heureusement, un oncle nous a permis de travailler dans ce champ pour que nous ne mourions pas de faim. Nous avons fait l'école du dimanche dans la maison d'un parent, car nous n'avions pas reçu l'autorisation d'organiser des réunions de Sainte-Seine. J'ai servi comme missionnaire des branches, mais le rêve d'une mission en plein temps ne m'a jamais quitté. Près de 4 ans plus tard, Tambwe Kabwika, un conseiller de la présidence de la mission, nous a rendu visite pour nous préparer à devenir une branche. Pendant qu'il était là, je lui ai dit que j'avais rempli une demande de mission longtemps auparavant à Kolwezi. Mais il m'a dit que j'étais trop vieux pour partir maintenant. C'est injuste, j'ai répondu. Ce n'est pas de ma faute. Savez-vous que j'ai abandonné mes études pour partir en mission? Mon cousin a décidé qu'il ferait une mission plus tard. Il est allé à Lubumbashi et a terminé ses études, a obtenu son diplôme d'ingénieur. Savez-vous que si j'ai fait cela, je serai maintenant à Lubumbashi en tant qu'ingénieur? Je ne souffrirai pas? Ah, il m'a dit, oui, je comprends tout cela. Mais nous ne pouvons rien faire. Continuez votre vie de jeune adulte. Voyez si vous pouvez continuer vos études, si vous pouvez vous marier. Hein? Fonder une famille. Tu peux trouver un travail. Je dis, il n'y a pas de travail ici. Je suis un électricien. Mais il n'y a pas d'électricité ici dans toute la ville. La ville est sombre. Qu'est-ce que vous croyez que je vais faire? Je suis désolé. Franchement, j'étais confus. Comment Dieu peut-il agir de la sorte? Parce que Dieu est juste. Il sait très bien qu'avant, je ne voulais pas faire des missions. Et c'est lui qui m'a convaincu grâce au livre du président Kimball. Et maintenant, je suis ici, au milieu de nulle part. Je n'ai pas fini mes études. Je ne pars pas en mission. Comment est-ce possible? C'était un coup dur. Mais comme Dieu est toujours Dieu, j'ai accepté la situation malgré moi. Même si je n'avais pas encore tout à fait trouvé ma foi. L'église est bonne. Alors, que faire? Il fallait la faire avancer. Et pour que l'église aille de l'avant, il y a le travail missionnaire. Nous avons donc fait du travail missionnaire. Nous avons travaillé dur comme des missionnaires à plein temps. Les lundis, jeudis et samedis, nous travaillons dans les champs. Et les autres jours, nous travaillons comme des missionnaires, du matin au soir. Et quand nous n'avions pas trop de tâches dans les champs, nous faisions du travail missionnaire toute la semaine. Le samedi, nous baptisons. Une fois 30 personnes, une autre fois 20 personnes. Il y avait beaucoup de baptêmes. En 2001, il y avait 3 grandes branches. Pendant cette période, nous avons rencontré une femme nommée Lily. Elle nous a donné son adresse. Nous sommes rapidement rendus chez elle. La famille de Lily était là, ainsi qu'un voisin. Nous avons terminé les 6 leçons missionnaires. Le voisin a été baptisé en premier. En ce qui concerne Lily et sa famille, j'avais des doutes. Ils avaient aussi des doutes. Oh, ils m'ont expliqué un peu, cela. Mais je n'étais pas tout à fait d'accord, puisque moi, je savais que j'étais déjà baptisée. Maintenant, il y a un point qui m'avait beaucoup touchée pendant les renseignements, c'est quand ils me parlaient sur le plan du salut. Ils m'ont dit, les gens qui sont morts, juste, ils nous ont juste devancés. Il y aura un temps que nous serons ensemble avec eux. Du fait que moi, j'avais perdu ma maman à l'âge de 4 ans, je ne la connaissais pas même bien. J'ai grandi avec mes grands-parents. Quand ils m'ont enseigné ça, ça m'avait beaucoup touchée. J'ai dit donc, je peux avoir la chance une fois d'être avec ma maman, moi.
C'est à cette époque que j'ai commencé à ressentir les besoins de me marier et de fonder une famille. J'ai donc commencé à chercher quelqu'un à épouser. Il y avait beaucoup de choix, mais mes pensées sont tournées vers Lily. C'est une femme intelligente, raisonnable, responsable et douce, comme ma mère. J'ai donc fait une prière. J'ai dit au Seigneur, je sens que je dois épouser cette fille, sœur Lily. Même si elle n'est pas encore membre, c'est à toi de choisir, mais moi, c'est elle que j'ai choisie. Je dis, j'aimerais avoir ton approbation, mais montre-moi un signe. Je voudrais qu'elle me donne quelque chose de sa propre main, n'importe quoi, peu importe ce qui c'est. Ainsi, je saurai que c'est elle. Après ma prière, je suis allé me coucher. Pendant mon sommeil, j'ai commencé à rêver. Nous étions chez un de mes cousins et Lily est arrivée. Elle avait des avocats. Je lui ai demandé, donne-moi des avocats. Alors elle a pris un avocat, mais au lieu de me les donner, elle a donné à mon cousin. Et là, je me suis écrié, mais c'est moi qui les ai demandés. Je lui ai pris des forces et soudain, je me suis réveillé. Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'étais pas heureux. Pourquoi ne me donnait-elle rien? Pourquoi a-t-elle donné un avocat à quelqu'un d'autre? Je lui ai pris le fruit, mais il n'était pas à moi. Je priais à nouveau. Seigneur, montre-moi clairement les signes. Je ne comprends pas encore très bien. Je me suis donc endormi, comme le petit Joseph rêveur, le fils de Jacob dans la Bible. Dans mon rêve, je l'ai revu. Je faisais du vélo dans son quartier et puis je suis passé devant chez elle. Je l'ai vu balayer la cour. Je l'ai appelé. Lily, viens, je t'en prie. J'ai trop soif. Peux-tu me donner un verre d'eau? Alors elle a jeté les balais, elle a couru rapidement dans la maison. Elle m'a apporté une grande tasse d'eau. Elle était si fraîche. Quand je l'ai bu, j'ai perdu toute fatigue. J'ai dit, merci beaucoup ma sœur. Et elle est partie. Ensuite, j'ai recommencé à rêver, mais je me suis arrêté. Non, me suis-je dit. Le Seigneur l'a déjà confirmé. Je vais épouser cette sœur. Je parlais à mon compagnon missionnaire, je lui ai dit, j'ai une réponse claire. Tu dois venir avec moi pour parler à la famille. Il m'a répondu, de toute façon, nous devons nous rendre là-bas pour un rendez-vous d'enseignement. Il n'y a donc pas de problème. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes introduits auprès de la grand-mère et de la tante maternelle et leur avons dit, aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour les leçons missionnaires, mais plutôt pour chercher l'autorisation de demander Lily en mariage. Alors, sa grand-mère a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je voudrais l'épouser. Ah, alors, attends un peu, elle est allée puiser de l'eau. Quand elle viendra, vous pourrez en parler. C'est ainsi que Lily est entrée en scène, comme Rebecca ou Rachel au sorti du puits. Son père lui annonça qu'elle allait se marier. Elle a dit, mais qui est-ce? J'ai dit, c'est moi. Oh mais, vous êtes missionnaire? Comment est-ce possible? J'ai répondu, nous ne sommes pas des missionnaires catholiques. Dans notre église, nous avons des missionnaires qui se marient. C'est ainsi que les choses se sont passées. Cela a pris un peu de temps. Mais tout s'est mis en place. Maintenant, pour confirmer mon rêve, pendant tout le temps où nous avons enseigné à la famille, nous n'avons jamais bu une goutte d'eau chez eux. Mais quand nous avons commencé à parler du mariage, j'ai demandé à Lily, ma sœur, peux-tu m'apporter de l'eau à boire? Et quand elle est venue m'apporter de l'eau, c'était la même tasse que j'avais vue dans mon rêve. Et l'eau était si fraîche. Alors je me suis dit que c'était ma confirmation. Les jours qu'il est venu pour demander la main, j'avais ressenti un peu un sentiment, je ne sais pas comment je vais dire ça. Donc, quelque chose qui m'interpellait, comme si il y a quelque chose de bon qui va arriver avec lui. Je l'ai baptisé en avril 1999. Nous nous sommes mariés civilement le 8 janvier 2000.
Depuis le 24 juin 2008, nous avons été scellés au temple de Johannesburg. Nous avons amené avec nous les trois enfants que nous avions à l'époque. Bien sûr, il était difficile de comprendre les ordonnances, car tout était en anglais, mais nous ressentions une grande paix. Donc pour la première fois quand je suis entrée au temple, je me sentais comme si je suis dans un lieu, je peux dire si je peux exagérer, je me sentais comme si je suis déjà au paradis. Après leur mariage, les choses ont continué à s'améliorer pour Willy et Lily. Ils ont décidé de s'installer à Kinshasa, où Willy pouvait enfin quitter sa vie d'agriculteur, terminer ses études d'ingénieur et trouver de meilleures opportunités de travail. Lily avait beaucoup de famille à Kinshasa et s'y est installée avec ses enfants. Willy est resté pour s'occuper de la ferme. Deux ans plus tard, en 2006, Willy était prêt à rejoindre sa famille à Kinshasa. Cependant, le président de la mission, président Mekok, est venu à Luputa pour former un district et a demandé à Willy d'être le président du district. Il a essayé de raisonner le président de la mission au sujet de sa situation, mais on lui a dit qu'il s'agissait d'un appel du Seigneur. Parce que j'avais été appelé, je savais que la seule façon de bénir notre famille était de rester à Luputa. Mais j'ai dit au président de la mission que je devais parler à ma femme. C'était une équation pour moi. Ma famille à moi, personne n'avait accepté. Quand il a appris, il m'a dit, Lily, tu ne rentres pas. Et s'il s'agit que vous divorcez maintenant avec les frères Willy, là, vous allez divorcer. S'ils veulent bien qu'ils travaillent pour l'église, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire une mutation? Donc c'était vraiment un dilemme pour moi. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, waouh. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à prier. Alors, c'est là où j'ai pris la décision. J'ai dit, comme c'est l'œuvre de Dieu, je vais rentrer les servir. Qu'il me soit fait selon sa volonté, je vais rentrer avec ses enfants. C'est ainsi que la famille est restée à Luputa. Comme Willy n'avait pas la possibilité de terminer son diplôme d'ingénieur, il a suivi des études d'infirmier, en plus de son travail à la ferme et de son service en tant que président du district. La famille Binene a continué à s'agrandir. En raison des conditions à Luputa, Willy et Lily étaient souvent malades et ne pouvaient pas travailler durement. Lorsque Willy devait se rendre dans des succursales à d'autres endroits, Lily se retrouvait parfois avec des enfants gravement malades. Donc mes enfants, quand ils étaient encore petits, ils tombaient souvent malades. Lui aussi, il n'était pas toujours permanent. Mais j'avais vraiment la foi qui est, comme il est dans les services du Seigneur, c'est Dieu qui garde ses enfants qui sont restés avec moi. Pendant le séjour de Lily à Kinshasa, elle a continué à développer ses compétences en tant qu'enseignante professionnelle. Maintenant, à mon retour, quand je suis rentrée maintenant, du fait que je n'avais pas encore du travail, c'est alors que je me suis dit, comme j'ai suivi la formation de l'école maternelle à Kinshasa, et qu'ici, il n'y a pas une école maternelle, je vais chercher à faire une école. Et j'ai commencé juste une semaine après, c'était 10, 15, après 20. Et puis, avant la fin de l'année, je vous dis que j'avais un bon nombre d'enfants. L'école s'est développée jusqu'à accueillir 600 élèves. La présidence du district de Willy s'est efforcée de rester proche des membres, visitant personnellement les familles de chaque branche pour partager leur amour. Les chapelles étaient pleines le dimanche. Le district se développa rapidement au cours des 5 années suivantes, passant de 4 à 12 branches. Paradoxalement, bien que de nombreux jeunes soient partis en mission à partir du pieu, aucun missionnaire à plein temps n'avait jamais servi à Luputa. Toute la croissance était due à l'effort des missionnaires de branche et aux membres locaux. En 2011, Luputa est devenu un pieu, fleurissant au milieu de nulle part, sans missionnaire à plein temps. Et Willy Binene a été appelé comme premier président de pieu. L'électricité n'était pas la seule chose qui manquait à Luputa. Les petits cours d'eau locaux ne fournissaient que très peu d'eau et presque tous les habitants de la ville avaient des membres de leur famille qui tombaient sérieusement malades et d'autres qui étaient même morts après avoir bu de l'eau contaminée.
les femmes qui allaient chercher de l'eau au milieu de la nuit tombaient parfois dans des embuscades sur la route. Parfois, l'eau était si rare que des bagarres éclataient entre les personnes qui se disputaient l'accès à l'eau. Tout le monde priait pour que Dieu leur apporte l'aide. En tant que responsable de l'église de Luputa, Willy savait qu'il devait s'occuper non seulement des membres, mais aussi de toute la communauté. Un entrepreneur expérimenté, Adir, a été invité à étudier la situation de l'eau et à apporter son expertise. Il y avait beaucoup d'eau dans les montagnes et elle pouvait s'écouler jusqu'à Luputa par gravité. Le problème était qu'il fallait construire un pipeline de 40 km de long à travers un terrain accidenté et boisé. L'église a déclaré qu'elle financerait 95% du projet de la communauté si la communauté en donnait 5% et fournissait le travail manuel nécessaire. Nous avions besoin de l'aide de tous les habitants de Luputa. Avec les responsables de la ville, nous avons élaboré un calendrier indiquant quel quartier serait désigné pour creuser chaque jour. Chaque soir, les organisateurs se rendaient dans des quartiers et annonçaient à l'aide d'un porte-voix que c'était le tour. Tôt le lendemain matin, les hommes se rassemblaient pour se rendre sur le chantier de la journée. Nous avons demandé aux responsables d'inscrire au calendrier des jours supplémentaires pendant lesquels les membres de l'église seraient chargés de creuser en plus du travail qu'ils effectuent avec leurs voisins. Les gens ont été impressionnés par le fait que les membres de l'église qui avaient contribué financièrement au projet faisaient également partie de la force du travail. Ils ont également été surpris de voir que les responsables de l'église ne se contentaient pas de donner des ordres, mais qu'ils participaient également au dur labeur. Nous devions tous montrer l'exemple. Il s'agissait d'un travail difficile, très exigeant, par temps chaud, dans des conditions difficiles. Chacun devait apporter un peu de farine, un peu d'huile pour que les femmes puissent préparer du foufou à manger sur le chantier. C'était aussi un travail difficile. De temps en temps, nous faisions une pause et nous venions et elles nous offraient du foufou. Quand les gens voyaient les responsables de l'église, et ils disaient « Waouh ! Ils mangent avec tout le monde, assis par terre !» Les gens respectaient ça. Quelle joie de voir l'eau potable sortie des robinets! Les femmes et les enfants se sont réjouis de voir que leur dur travail était rendu plus facile. Après 3 ans, soit près de 1 000 jours de chantier, on a organisé une fête pour marquer la fin du projet. On dit que 15 000 personnes sont venues de Luputa et des villages environnants. Certains grimpent aux arbres pour mieux voir. Daniel Kola, 1,70 de l'interrégion, et Dal G. Rollins, alors conseiller dans la première présidence de l'interrégion, ont participé à ce programme. Une banderole sur le château d'eau proclamait « Merci l'Église et Adir pour l'eau potable ». En 2017, lorsque Willy a été relevé de ses fonctions de président de Pieux, Lily et lui ont enfin pu réaliser leur rêve tant attendu en ayant la possibilité de servir une mission à temps plein en tant que responsable de mission dans la mission d'Abidjan Est en Côte d'Ivoire. Tout au long de leur vie, Dieu n'a jamais cessé d'enseigner Willy et Lily en leur demandant de faire des choses difficiles. Et à travers leur exemple de sacrifice et de foi, nous apprenons que nous pouvons faire confiance en Dieu et aux expériences d'apprentissage uniques qu'il a préparées pour chacun d'entre nous pendant notre court séjour sur Terre. Rien n'arrive au hasard. Il savait qu'un jour qu'on devait être en famille avec le frère Binéné. Il savait qu'un jour qu'on devait avoir les enfants avec lui, qu'on devait fonder notre foyer. Je témoigne vraiment de la grandeur de Dieu.
Qu'est-ce qui m'a aidé à prendre la décision la plus importante de ma vie, celle de partir en mission? C'est le pouvoir d'un livre écrit par un prophète inspiré, utile pour corriger, pour instruire dans la justice, qui m'a convaincu de partir en mission. Mon expérience montre également la véracité de ce qui est dit le livre des Mormons. La prédication de la parole avait un effet plus puissant sur l'esprit du peuple que toute autre chose. J'ai appris que nous devons être patients lorsque les choses ne vont pas bien, qu'il y a un temps pour tout et que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. J'ai arrêté mes études parce que j'étais certain que Dieu m'avait appelé à servir comme missionnaire à plein temps. Mais il ne m'a pas permis de servir à ce moment-là, ni de continuer mes études, ni de réaliser mon rêve d'être ingénieur électricien. Tout ce qu'il voulait, c'était que je prenne la bonne décision à ce moment-là, afin que je puisse finir par arriver là où il voulait que je sois. Lorsque nous servons le Seigneur, il finit par exaucer tous les désirs justes que nous recherchons, même s'il ne le fait pas tout de suite.